Bonjour Manouille, aujourd'hui je reçois deux spécialistes de la musique. Ils vont se présenter, mais je suis sûre que vous les connaissez déjà. Merci Félix, Félix Vilches, ici pour tous les amis de Radio Taoui. Et bonjour, bonjour Martine, bonjour. Eh ben, moi je m'appelle Georges Bonnat. Ben, il paraît que j'ai bossé très très longtemps en radio, du côté de Polynésie Première pour Histoire de, ben voilà. Salut les copains du côté, parce qu'ils écoutent quand même Taoui FM. Hein, mais bien sûr, et on les écoute aussi, donc on est tous entre collègues. Bon, je suis à la retraite, tout va bien, mais toujours obsédé par la musique. C'est une belle obsession, puisque vous venez nous présenter un concert qui va avoir lieu demain. Voilà, déjà pour commencer. Assez exceptionnel en plus, parce alors, que ce sont des musiciens. Qui des deux en parle? Allez, j'en parle. Bah écoute, voilà, je les ai rencontrés encore il y a quelques mois, à peine il y a 3-4 mois, quand j'ai été aux États-Unis à Los Angeles. C'est monsieur Otmar Ruiz, qui est un pianiste assez exceptionnel. Otmar Ruiz, c'est pour moi l'un des plus grands pianistes de jazz. Après Chick Corea peut-être et Herbie Hancock, mais quand même, il est dans le top 5, il n'y a pas photo quoi. Oui. Félix, tu vas pas me contredire. C'est génial que tu le dises parce que tu es vraiment l'érudit de la musique jazz, la musique internationale. George, oui, un pionnier de la musique ici à Tahiti quand même. Effectivement, Otmar Ruiz, c'est un artiste qu'il est considéré entre les 5 meilleurs pianistes du monde. Et il était nominé au Grammy, Grammy Awards, le prix américain. Oui, carrément. C'est carrément les victoires de la musique aux États-Unis. Et donc, il a été nominé avec sa femme, Katina De Luna, qui est chanteuse et d'origine brésilienne. Et donc, elle sera là aussi, donc pour trois concerts exceptionnels, donc à Tahiti, mais Félix va en parler. Et donc, Otmar Ruiz et Katina, ils ont été nominés cette année, donc comme l'équivalent des victoires de la musique, donc les Grammy Awards aux États-Unis, parmi les 5 meilleurs albums de jazz de l'année. Donc, oui, voilà. Alors qu'il sort des milliers d'albums. Comment vous avez réussi à les faire venir ici? Bon, c'est une amitié de Félix a des contacts. Oui, je crois. Il a le bras long. Oui, c'est vrai. J'ai pris un petit peu presque la retraite. Il fait quelques 3 ans que je ne fais rien. Non, c'est moi à la retraite. Ça y est, battle de retraités. C'est et bon, on aimerait bien les donner un petit peu de humblement, un petit peu de tonus à la ville, et on va faire des concerts comme on a fait au tout début de notre carrière ici en Polynésie, et vraiment des concerts ouverts dans des petits endroits pour les gens qui sont vraiment ils cherchent un petit peu un autre type de musique. Mais le côté riche. Intimiste hein, de ces, oui, exactement, de ces concerts. Mais aussi, en même temps, le concept de partage, parce que bon, on aime quelque chose et on se ressemble, hein, de certaines manières. Et j'ai voulu le faire avec Otmar, qui c'était mon partenaire, un grand ami depuis plus de 25 ans. Mais c'est un partenaire, c'est avec lui que j'ai organisé pas mal de concerts ici à Tahiti. Oui, Félix, rappelons-nous que tu l'avais fait venir avec Lee Ritenour, Lee Ritenour, comme ils disent aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, il accompagnait le fameux guitariste Lee Ritenour. Exactement, on a fait... Il y a 2-3 ans, quoi. 2-3 ans, on a fait, je pense que c'était mon dernier concert international, et il fait 2 ans et demi. Avec Lee Ritenour, et lui il est venu comme pianiste, c'est une grande vedette internationale. Et bon, cette occasion, Otmar, il vient avec sa femme, avec celle qu'il a été nominé au Grammy, prix Grammy, comme George l'a dit, entre les 5 meilleurs albums américains. Et que pour un artiste d'origine latino-américaine, c'est vraiment quelque chose à supérieur. C'est-à-dire, c'est un artiste latino-américain qui est nominé au prix Grammy du jazz. Des États-Unis, qui sont le berceau du jazz. Oui, voilà. C'est le berceau du jazz. Alors, bon, et c'est vraiment, Otmar, c'est quelqu'un qui est à un niveau supérieur, mais qui aussi, il sait plaire pour un public curieux. En plus, il est modeste. Un public, il peut arriver à un grand public. Pour venir ici, il n'y a pas un grand public qui va l'attendre. Donc, c'est aussi une découverte pour eux ou c'est la première fois qu'ils vont venir? Non. Otmar, il est venu ici quelques fois. Et il a laissé sa femme, c'est la première fois. C'est la première fois, oui.
Et bon, et, il a laissé, Maro, il a laissé des fans. Je pourrais dire que le concert de l'Irritenu, il avait au moins 300 personnes qui étaient pour lui, que pour Otmaro. Parce qu'Otmaro, il était vraiment très apprécié ici. Oui, c'est vrai que le concert était complet au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et puis, c'était complet également dans la salle du Méridien. Si, alors là, il y a nos auditeurs qui piaffent d'impatience parce que vous n'avez pas toujours pas dit où ça allait avoir lieu. Bon, et l'endroit de rendez-vous, c'est un ancien, c'est l'ancien restaurant, si vous voulez vous rappeler, il existait un restaurant qui s'appelait le Café des Négociants. Voilà, c'est le quartier du commerce. Le quartier du commerce, et aujourd'hui, il s'appelle Tony Tapas. Voilà, c'est Tony Tapas. La rue piétonne, en fait, du quartier du commerce. Tapas, latino, un peu, voilà. Oui, on est dans le temps. Oui, c'est ce qu'on appelle la nouvelle tendance, tu sais, les tables hautes, les tapas, tout partagé. Bon, on l'appelle chill out. C'est vraiment totalement décontracté, cool, relax. Et dans cette ambiance, dans le pavé au pavé du quartier de commerce, c'est là qu'on va faire le concert le mercredi 30, c'est-à-dire demain soir à quelle heure? À 19h30 et le vendredi 1er septembre toujours à 19h30. Toujours à 19h30. Mais il y a un concert entre les deux, comment allons-nous faire pour survivre à oui, on a fait un concert aussi le jeudi au restaurant White à 19h30 toujours. Voilà, exactement. Si, 19h30, mais il vaut mieux réserver quand même. Oui, oui, parce que apparemment les billets sont en vente. Ou comment on fait pour se... Non, les gens, il faut s'approcher. Voilà, il n'y a pas de billetterie. Il faut téléphoner. Il faut réserver des tables si c'est White, mais à mon avis, il vaut mieux essayer de réserver. Donc quand on même. Peut réserver d'ores et déjà dans les établissements, voilà, dans les restaurants. Au Tony Tapas ou au White. White, voilà. On n'est pas obligé de payer, de prendre son billet. Quand on arrive, voilà. Tony Tapas, il reçoit des appels pour faire les réservations, aussi le White. Mais il y a un nombre limité de places? Oui. Oui, on ne peut pas mettre 10 000 personnes. Oui, c'est pour ça que... Voilà. on est très limité. Je pense que c'est maximum 100 personnes, quelque chose comme ça. Mais vraiment, il faut y aller rapidement. Je pense qu'on peut mettre un petit peu plus du côté du White, mais bon, parce qu'il y a quand même la salle derrière, mais ils sont un petit peu plus éloignés. Le tarif. Je pense qu'il faut s'approcher à Tony Tapas pour le tarif, parce qu'ils ont fait un tarif et tout c'est à partager. Tu sais, c'est les tapas, les boissons. Tu as le concert et de quoi grignoter en même temps. Voilà. 5 personnes, il a un prix pour la table complète. Ah, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant. Donc on aura tous les plaisirs de la table, de l'oreille, du cœur. Du cœur, du vin et du champagne, pour ceux qui veulent. Ah ben, je viendrai. Et puis comme je sais que Félix est modeste, mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que Otmaro Ruiz et Katina, ils seront accompagnés par un certain Félix Vilches quand même à la basse, je pense. Ah, tu sais jouer? Oui. C'est vrai, non, j'attendais pour parler effectivement des musiciens. Ils sont plusieurs nouvelles et on va voir la flûte et Fabrice Sima, professeur du conservatoire. On va voir depuis longtemps et c'est une heureuse partenariat amical et musical avec Carl Bringfield qui va jouer la batterie. C'est un grand monsieur de la batterie et du son également. Et Carl Bringfield, moi je me souviens, c'était en 94, j'étais à la remise de son diplôme à Los Angeles. Ah oui. C'est un des c'est pas avant-hier. Oui, c'est un des musiciens qui l'a fait vraiment un l'école. Très bon batteur. Un très très bon batteur. Il sera des nôtres. Et Félix Vilches, cette fois-là, au piano. À la basse. Oui, à la basse. Et on a des invités qui seulement ils vont passer, je dirais pas les noms. Non, mais on n'en dit pas plus. On connaît plus ou moins. Eh bien, écoutez, ça donne envie d'y aller. Hein. Ça va être très génial. Vous pouvez écouter la musique, elle est vraiment très... Voilà, ben là, on va se passer un petit morceau pour conclure. Donc, je rappelle, mercredi et vendredi au Tony Tapas à 19h30. Yes. Et jeudi au White, 19h30 toujours, avec toujours la possibilité de grignoter entre deux et d'être entre amis. Entre amis, effectivement. Et amoureux de la musique.
Ça, et je vous préviens que c'est la musique, et c'est une belle musique, c'est du jazz et c'est de la musique brésilienne en même temps. C'est-à-dire c'est la musique brésilienne qui c'est gay, qui c'est vraiment décontractée, musique félix, heureuse. Non voilà, et bien ça va nous faire revenir le soleil. Exactement. Voilà, la bossa et la samba seront au rendez-vous. Bien, ben nous aussi. Merci Georges, merci. Merci. Merci Martine, merci. Merci, gracias.